Salut à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 52e épisode de Let's Play sur Mario plus de lapin crétin Kingdom Battle. Nous sommes toujours dans le monde 3 pour faire les défis. Et pour cela, on va visiter la dernière partie qu'on n'avait pas revisitée. Donc on va chercher aussi les coffres étant donné qu'il y a eu un problème. Lors de mon passage ici. Ce qui fait que tous les coffres n'ont pas été pris. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un bug certainement. Parce que je me souviens avoir fait des coffres et ils n'ont pas été comptabilisés. Allez, on y va. On fait le tour. On fait les défis. Alors, on peut pas passer par là. Alors, c'est par ici. Voilà. Là, le coffre a été pris. Vous voyez, par exemple, là, le coffre a été pris alors que... Enfin, quoique, je ne sais plus. On va aller voir là. Donc là-bas, ça a été fait. Allez, je vais visiter le... niveau secret. Ici il n'y a pas de défi à faire. Est-ce que j'en aurais oublié par ici? Là, c'est sûr, j'ai tout pris. Ensuite, ici. Ouais, le bouton, il est là. Ensuite, il y a un bouton ici. Il y a un bouton là. Alors, j'ai mis ça là-dessus, d'accord. Ah oui, c'est le piège. Tous les coffres ont été pris. Par acquis de conscience, je casse tout. Ça me donne des pièces en plus, donc parfait. Et ici, c'était le boss du niveau secret. Ok. Bon, on a tout fait. Ici, on se retrouve de ce côté-là.
Alors, de l'autre côté, on va s'avancer. On a pris le coffre, donc tout va bien. On va avancer. Alors, est-ce que ça c'est bon? Non. Il faudra que je mette le verre. Alors ici, est-ce qu'il y a un défi? Je ne vois pas. Alors ici, est-ce qu'il y a des coffres que j'aurais oubliés? Oui, il y a des coffres que j'ai oubliés. Ok, ça c'est fermé. Ici c'est fermé. Il doit m'en rester 7 à trouver là. Celui-là où a été trouvé. Ah oui, voilà. Ouais, ça n'a pas été enregistré. On le refait en vitesse, c'est pas grave, hein. Oui. Et ok. En théorie, il n'y a plus que 5 coffres à trouver. En théorie. Voyons, voyons.
c'est pas par là, c'est par là. Ok, et là. Alors, l'épreuve 8, normalement, elle devrait se trouver ici. Ok, il y a un lapin. Défi 8, difficile. On est parti. Vaincre tous les ennemis, un tour maximum. Ok, donc là, il faut aller à la bourrin. Ou pas. Alors, préparation au combat. Un Ziggy flippant, un deuxième Ziggy flippant, un troisième Ziggy flippant et le démolisseur. Alors, eh bien, on va changer Lapin Luigi par autre chose. Pour bien faire. Donc, Yoshi, c'est bien. Et Lapin Mario. Allez. Et on va tenter comme ça. Allez, on est parti. D'accord, il se rapproche, il tape en premier. C'est pas grave, lapin Mario est aveugle. Ça ne dérange pas. Mario est aveugle, ça ne dérange pas non plus. Et Yoshi est aveugle, ça ne me dérange pas non plus. Alors, Mario. Mario, tu peux sauter sur lui. Ensuite, sur Yoshi. Rebondir là. Et arriver là derrière. Bon, tu vas te prendre cher, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, par contre, j'avais pas pensé au... Bon, c'est pas grave. Lapin Mario, non, d'abord Yoshi. Non, Yoshi, tu peux le tacler. Tu viens et tu sautes sur Lapin Mario. Et tu atterris de façon à toucher les deux. Un plus derrière. Et là, je touche les deux. C'est parti. Lapin Mario, tu viens, tu le tacles. Tu viens, tu le tacles. Tu arrêtes. Juste à côté et tu lui tires dessus au corps à corps. Je vais même faire avec le marteau. Désolé Mario. Et voilà, et on finit au marteau. Boum. Bon, pas compliqué. Un peu d'or, quelques orbes, c'est très bien. Alors, ensuite, il nous reste deux défis à faire ici. Oui, on passe sans prendre toutes les pièces. Défi suivant.
Hyper difficile. Eh bien, on va tester ça, hein. Très bien, 5 tours pour vaincre tous les ennemis. Il y a Calavera qui est là. Alors, dans ces cas-là, on va quand même prendre un soigneur et un DPS. Je prendrais bien Peach pour le soin et Lapin Mario pour le DPS. On va voir une fois pour améliorer les armes. Donc Mario, toi, c'est bon. Et son secondaire, c'est bon aussi. Lapin Mario, c'est bon pour le secondaire, c'est bon pour le principal. Et Peach. Alors Peach, c'est de la glace que tu veux. Mon équipe. Et pour le secondaire. J'ai pas l'argent pour Cocori Canard par exemple. Allez, on tente. D'accord. Alors, si Peach, tu viens là. Ça revient un peu au même. Calavera. Ok, il regarde dans cette direction-là. Alors, ce que je vais faire, d'abord, Lapin Mario, tu vas venir. Ici, tu vas faire ton chant des sirènes. Peach, tu peux venir jusque-là. Le soin, on s'en fiche un peu, mais tant pis. Et là, on tire de derrière. Et on peut mettre le... Voilà. Alors, on prend les pièces. Mario, tu viens, tu le tacles lui. Tu peux venir ici. On va te mettre là. Voilà. On va pouvoir tirer sur lui. Et tir réflexe. Et Lapin Mario, bah tu ne fais rien parce que tu n'as rien à distance. Bon, ça devrait aller. La grenade qui touche Mario. Allez, déplace-toi, c'est très bien. Et en plus, voilà. Bon, lui, il va rien faire. Elle, dans le tuyau. Et là, ça va faire mal. Parce que Mario. Voilà, il la colle. Et c'est Lapin Mario qui se prend les coups. Une grenade. Et un petit soin. Ok, et lui, une grenade aussi. Sur Mario. Maintenant, un petit soin d'abord. La grenade sur Mario. Alors, Lapin Mario, tu peux venir tacler ici.
peut venir dans le tuyau. On peut venir tacler là. Et surtout tacler là. Arriver là derrière. Et tirer dans le tas. Bon, bouclier. Mario. Ah, Mario, tu n'es pas assez loin pour dire de pouvoir tacler. C'est pas grave. Alors comme ça, ici. Alors Peach, tu peux venir là. Tu vas attaquer lui. Venir là. Et j'ai oublié de sauter pour... C'est pas grave. C'est Calavera. Qui se prend le coup. On protège. Mario, un petit coup de marteau. Ben voilà. Et il en reste un. On va l'accélérer un peu. Il envoie une grenade, c'est bien. Il se cache. Alors Peach, tu viens jusque là. Tu peux tirer. Et voilà. C'était pas compliqué. Alors ici, un coffre. Donc c'est bien ça. Et aussi un raccourci vers l'autre côté. Voilà. Donc là tout va bien. On a fait. On arrive ici. On a pris le coffre. Ici, c'est bouché. Ok, est-ce qu'on a été faire là-haut? Enfin, est-ce que c'est toujours ok? Je vois la statue, donc oui. Ok. Je vérifie, on a eu le coffre ici. Ouais. Ok. Ah, défi 10. Hyper difficile, soi-disant. Escorter Toadette en 15 tours. Ouf, oui, ça va être... Ah oui, c'est cette escorte-là, enfin, c'est ce... c'est ce terrain-là. Alors, préparation au combat. Alors, on a des Iggy.
Ziggy. Ziggy, non, ça c'est démolisseur. Il y a des oreilles qui sortent à gauche et à droite, j'ai l'impression. Ziggy, Ziggy, ok. Donc là, on va être un peu plus... Un peu plus soft. Et en même temps... Bon, allez, Luigi, lapin Luigi. Donc ça c'est bon. Sélection d'armes, on est toujours bien. Ok. Luigi, non, il n'est pas à 100%. Voilà. Il n'est pas encore à 100%, mais il a déjà au moins une des deux armes qu'il a. C'est parti. Alors. Avec Mario, on est un peu mal. Mais on a Luigi qui va. Let's go! D'accord, Toadette est là. Et elle peut venir jusqu'ici. Alors, Mario, tu peux venir jusque-là et d'accord. Lapin Luigi, tu viens, tu le tacles et tu arrives ici. Mario, tu vas dans le tuyau. Tu peux sauter sur Lapin Luigi. Tu tombes sur ce Ziggy et t'arrives ici. Pas de cible à porter, très bien. Luigi, tu viens, tu rebondis sur Lapin Luigi, tu rebondis sur Lapin Ma sur Mario, pardon. Et tu peux atterrir ici. Tu peux tirer un Ziggy en moins. Zut, j'aurais dû faire l'explosif. C'est pas grave. Ici, allez. Voilà, c'est tout. On va accélérer un peu, puisque là. Voilà, très bien. Et lui avance, et lui avance. Et il tire. Ok, Toadette. Toadette, tu peux venir ici et atterrir là-bas. Zut, trompé de bouton, c'est pas grave. Mario, tu viens là, tu arrives ici et... Et c'est pas bon. Alors Luigi, tu viens. Tu le tacles, tu arrives là derrière. Comme ça tu es avec Toadette au moins. Alors, les cibles sont hors de portée, les cibles sont hors de portée. On se met en tir réflexe et on attend la suite.
Mario. Va venir là. Quelque chose qui va apparaître, ça va être un démolisseur, j'imagine. Et tu peux venir jusque-là, par exemple. Ah zut, il m'a ancré. C'est pas grave. Voilà. Il saute, ok. Et on tire. Et là, c'est bon. Aux ennemis, on accélère un peu. Ah, c'est un épouvanteur. Allez, on accélère. Bien. Luigi, tu viens tuer l'épouvanteur qui est là. C'est raté. Toadette, bah, bien, tu viens te mettre à l'abri, même si ça va être très compliqué. Alors bon bah lapin Luigi. Ou pas. On peut venir là. C'est mieux que tu puisses faire. Tu ne peux tirer sur personne. Mario, tu viens dans le tuyau. Tu viens dans le tuyau. Et là. Et là, tu arrives là. C'est tout. Luigi. Tu peux venir ici. Allez, c'est bon. On accélère les choses. Mario qui est devenu aveugle avec l'encre. La Toadette qui se prend des coups. Alors, lapin Luigi, tu peux rentrer là-dedans, tu viens tacler, tu peux aller dans le tuyau, tu sautes sur Mario, et tu atterris ici. Il m'a pas vu, très bien. Lui m'a vu, c'est pas grave. Ok, alors Toadette. Toadette, toi tu peux rien faire à part venir te cacher. Mario, tu peux venir. Le tacler lui. Ensuite, tu viens dans le tuyau. Tu viens dans le tuyau là.
tu sautes sur Lapin Luigi, tu rebondis là. Tu arrives... là. Et on va essayer de tuer l'épouvanteur quand même. Très bien. Lapin Luigi. Allez, lance roquette sur les deux. Non, on va d'abord faire Mario. Oui, tu le massacres. Très bien. Luigi, tu rentres là. Tu le tacles, mais tu ne le termines pas. C'est pas grave. Tu viens jusque là. Voilà. Ici, tu te mets en... Voilà. Là, tu le termines. Ok, Mario, allez, au cas où. Et Lapin Luigi peut mettre sa bulle. Aux ennemis. Deux protecteurs. Donc voilà, ça c'est très bien. On accélère un peu. À nos héros. Ah, Lapin Luigi peut tacler les deux, ça c'est très bien. Et c'est tout. Luigi. Luigi, tu peux pas faire grand chose à part te mettre à l'abri près de Toadette. Et envoyer ton drone. C'est parti. Parfait. Toadette, tu peux reculer. Et Mario. Eh ben Mario, tu peux juste reculer. Ok, suivant. Encore un protecteur. Ah, trois protecteurs là. Allez, on accélère un peu. Lui, il va tirer sur Toadette. Ah non, même pas. Sur Lapin Luigi. Donc, un nos héros. Dans le tuyau. On le tacle lui. J'arrive dans le tuyau. Je me mets là. Et pas de ligne de vue. Alors, Luigi. Alors, Luigi, tu te mets à découvert. Lui tirer dessus. Voilà. Et tu te mets en tir réflexe pour les prochains.
Alors, bon, bah, Toadette, tu viens jusque-là. Et Mario. Mario, tu viens ici et tu vas faire le bouclier pour Toadette. Impossible à taper. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, Luigi s'en donne à cœur joie, mais c'est pas assez. Allez, il y a un lapin juste à côté. Voilà, très bien. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Il y a deux soigneurs là. Ok. Alors, lapin Luigi, tu le tacles. Et puis tu viens te mettre bien ici. Et tu vas tirer là-dessus pour les... Voilà, pour les soigneurs. Alors, Luigi, tu viens, tu peux le tacler. Ça te soignera un peu. Et puis tu arrives ici. Très mauvaise idée pour Mario. Non, d'abord Toadette, tu rentres dans le tuyau et tu viens jusque là. Mario. Alors, Mario, tu rentres dans le tuyau. Très bien. Tu le tacles lui. Ok. Et t'arrives là-bas. Parfait. Bien entendu, rien du tout. Mais on peut mettre du tir réflexe. Ah, on peut quand même tuer un soigneur avec Luigi. Et c'est tout. Alors, les quatre protecteurs ici, ils se bloquent les uns les autres. Allez, hop, on accélère là parce que... Alors, Toadette. Toadette, tu peux venir jusqu'ici, y a pas de problème. Luigi, tu viens jusque là. Oui. Et tu nous tires sur le soigneur. Boum. Et tu passes en tir réflexe. Mario t'avance jusque là. Et lapin Luigi, eh bien, tu bouges pas. Allez, c'est parti. Un en moins. On va accélérer. Et il est ancré.
il est ancré aussi. Et quatrième, il bouge pas beaucoup. Ok, un nos héros. Toadette, tu rentres là. Et encore un coup. Encore un tour avant de pouvoir. J'espère que c'est pas le dernier tour. Ce serait idiot. Bon, toi, tu viens jusque là. Et tu tires. Tu peux tirer sur les deux là-bas. En espérant un critique. Au moins un mort. Luigi. Donc Luigi, bah, tu vas taper sur celui qui est tout proche. Voilà. Et Mario t'avance un tout petit peu. Juste pour dire de te prendre les coups au cas où. Et tu peux tirer même si ça ne fera rien. Aux ennemis. Un peu accélérer. Ok, bah c'est bon. J'ai eu peur que bah, ce soit le dernier tour et que je n'arrive pas à mettre Toadette, mais bon, c'est bon. Ok, on y est. On a terminé tous les défis du monde 3. Tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est de trouver les derniers coffres. Et pour cela... faut avancer. Non, pas par là, par là. Alors le coffre là a été pris, ça c'est bon. Ici c'est pris. Là c'est bon, ça a été débloqué. Ici il y a des choses. Allez. Un coffre. Protecteur flippant, très bien. Ah là il y a des coffres. Et bien voilà, on les a tous. En théorie. Et on arrive là, d'accord. Bon, bah on a fait le tour. Donc là, on va revenir au château de Peach. Et on va aller voir si on n'en aurait pas loupé un. Tiens, le château a changé. Il est tout doré maintenant. Ça doit être par rapport au taux de complétion du jeu. J'imagine.
Alors, ouais, c'est bien par là. Voilà. Et on regarde. Il me manque un coffre. Bon, ben tant pis. Je le chercherai de mon côté. Si jamais je le trouve, eh bien, je vous montrerai. Jusque-là, ok. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est terminer le défi qu'on n'a pas réussi au monde 1. On va vite se le faire, tranquillement. Non, le monde 1, c'est plus loin. C'est là. Non? C'est là. Très bien. Ah, tiens, on peut ici. Voilà. Allez, on peut casser. Appuyer sur un bouton. Et d'accord, c'est pour le... C'est pour les défis ultimes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il nous manque des coffres et un défi. Bon. Je pense que c'est là. Alors, non, c'est pas ici. Défi de facile. Eh bien, on va vite fouiller, hein. Ça va pas prendre très longtemps, normalement. Parce que c'est en bas. Donc là-bas, c'est les pièces. On ira chercher les coffres dans un autre épisode, ne vous en faites pas. Alors, est-ce que c'est ici? Non, c'est pas encore ici. C'est là. Voilà. C'est ce défi-là qu'on n'avait pas fait. Alors, sur ce défi-là, il me faut Luigi et... Non, parce que c'est atteindre la zone. Luigi et... Yoshi. Et non, pardon, lapin Yoshi. Il me faut de la distance de saut et de déplacement. Voilà, très bien. Alors, voyons, voyons. Le but, c'est que une personne arrive ici. On a lapin Yoshi qui est juste intro. Ah, et Luigi qui est de ce côté-ci, zut.
Donc il faudrait un autre que Lapin Yoshi. On recommence. Donc je vais prendre par exemple Lapin Peach et Luigi, ou Lapin Luigi et Luigi. Alors, préparation au combat. Mario. Voilà. Et là, c'est bon. Ce qui fait que... Comment ça? Pourquoi Luigi est toujours là? Bon, Luigi, tu peux au moins augmenter la zone d'action de Lapin Peach. Ensuite, tu peux venir bah, jusque-là, bah, c'est tout. Bah, c'est très bien. Voilà, tout simplement. Ok, là j'ai peut-être légèrement grugé le jeu. J'avoue, c'était pas ce qu'ils attendaient de nous. Mais bon, ça marche, hein. On va pas commencer à tergiverser et à tortiller du cube parce que c'est pas la bonne méthode. Tant que ça marche et que ce n'est pas triché dans le sens. Modifier le code du jeu ou quoi que ce soit. Très bien. On va s'arrêter là. Donc on retourne au château de Peach. Et je vous dis déjà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que j'aurais pu oublier comme coffre dans le monde 3. Ou j'aurais pu l'oublier. N'hésitez pas à aller regarder les anciens épisodes si vous voulez. Mais voilà. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus si vous appréciez. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye!